funky. Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on est lundi et c'est matinée rangement et ménage pour moi. Ça me fait plaisir de pouvoir tourner cette vidéo, même si elle est un peu plus courte que d'habitude. Mais c'est parce que j'arrive à la fin de ma grossesse et ça devient difficile de m'occuper de la maison, donc bah, j'ai dû ralentir le rythme. Et d'ailleurs, je dois maintenant faire appel à quelqu'un d'extérieur pour m'aider justement à la maison, particulièrement pour le sol, parce que comme vous le savez, c'est ce qui est le plus difficile pour moi. Mais pour le reste, je continue de m'organiser pour essayer de maintenir la maison propre au quotidien. Et puis une fois par semaine, j'essaie d'y passer un peu plus de temps. Parce que j'ai quand même toujours ce besoin de maintenir mon intérieur propre et organisé. Et c'est vraiment quelque chose qui m'apaise. Vous le savez, le nettoyage, le ménage, l'organisation, ça m'apaise, c'est ma thérapie. Même si ces derniers mois j'ai dû apprendre à lâcher prise et baisser les exigences que j'ai envers moi-même vis-à-vis du ménage parce que j'en suis tout simplement de moins en moins capable et je sais qu'avec l'arrivée du bébé je vais manquer de temps et d'énergie donc voilà, ça se fait petit à petit depuis plusieurs mois et je sens que je suis sur la bonne voie. Mais ça reste quand même vraiment pas évident de rester motivée avec tout ça. Et c'est très frustrant de ne plus être capable de gérer les choses comme avant. Mais bon, j'apprends à me réorganiser, à déléguer si besoin. Et puis à me dire que c'est pas si grave si certaines choses ne sont pas faites comme je l'aurais souhaité. Il faut juste trouver un rythme qui nous convient et s'adapter aux aléas de la vie. Que ce soit le travail, un travail prenant, un enfant, des enfants, une maladie, une grossesse, voilà, toutes ces choses et bien d'autres encore qui nous arrivent.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura quand même plu, même si elle est plus courte que d'habitude. Je vous remercie vraiment d'être présent, de regarder mes vidéos, de vous abonner, d'y réagir. Ça me fait vraiment plaisir et j'aime vraiment beaucoup discuter avec vous. Donc merci beaucoup pour ça. Je vous dis à bientôt, j'espère revenir bientôt. Et je vous fais des bisous.